Nous entrons vraiment dans cette chaîne des tétons et voilà une première rivière. On va parler beaucoup de deux rivières ici dans les jours qui viennent, sous le Grand Teton et Yellowstone, c'est la Yellowstone River et la Snake River, que voilà, qui est beaucoup plus importante en fait que la Yellowstone River. Les rivières coulant de l'est à l'ouest. Pourquoi? Je vous parlerai plus tard de la Continental Divide. Donc, cette Snake River se jette, si je ne m'abuse, de mémoire, dans la Columbia River, au niveau donc. Columbia, c'est la capitale de l'État de Washington. Et oui, c'est pas Seattle. Cette Snake River se jette dans la Columbia River, qui elle-même se jette dans l'Atlantique. Je vais un peu vous montrer ici, donc, nous sommes maintenant à 7000 pieds. Et on approche de Jackson Hole, de Jackson. Et donc, on va maintenant commencer notre périple. Notre périple. Dans... Il ne reste que 16 minutes. Dans donc le parc de Teton. Mais nous allons le faire par Wilson. Et alors, nous terminerons au lac Joli pour rentrer ce soir et surtout dîner. Mais alors là, vraiment, bien dîner. Ce soir à Jackson, la ville de Jackson, qui est aussi qui est encore plus pittoresque que Crafter, je vais vous le dire ça. Écoutez-moi un peu cette rivière. The Snake River. Just that is the Snake River, was an ear in the Bud van Jackson Hole. Daar zijn er dus twee heel grote parken met drie sterren telkens in de Michelin Gids. Dat is het Grand Teton National Park. We zijn er bijna, dat zijn dus hier in de ketting, de gebergde ketting, de gebergde van de Teton. Teton, dus dat zijn de Titan in het Frans. Teton. En natuurlijk hebben we ook hier in de buurt Yellowstone, maar dat is dus niet de Yellowstone River, dat is dus de Snake River, the snake, it's about the snake.